Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous a choisis. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Partout où vous êtes, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, votre bien-aimé, la servante de l'Éternel, Maman Sandra Tsimba. Maman Sandra Tsimba, je suis encore devant vous pour vous parler de de message que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur m'a donné le message et ces messages-là que je suis venu vous parler. Comme j'ai toujours dit que si le Seigneur me donne le message, il me dit de passer. Et c'est pourquoi je me précipite pour passer et donner le message. Et ce sont des messages que le Seigneur m'a donné, ça fait du temps. Mais aujourd'hui, le Seigneur insiste. Et c'est pourquoi je me suis levée pour vous faire cette vidéo concernant la part du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler encore sur le dépouillement de l'extérieur. Nous allons parler sur le dépouillement de l'extérieur. Comme je vous avais dit avant, le Seigneur, le dépouillement, c'est vraiment un processus. Ça ne se fait pas du coup, mais ça prend du temps. Et petit à petit, le Seigneur nous dépouille. De lui-même, le Saint-Esprit nous dépouille. Pendant que nous sommes encore dans le parcours avec Christ, le Seigneur nous fait montrer des choses qu'il ne faut pas que nous les faisons étant qu'enfants, enfants de Dieu. Nous qui attendons l'enlèvement, nous devons éviter à faire certaines choses. Et je vais aussi parler sur le principe, les 7 principes que le Seigneur m'a parlé lorsque nous sommes dans sa présence. Comment nous devons venir à sa présence et quels sont ces principes-là. Je vais aussi vous parler de ça. Que le Seigneur puisse nous bénir. Et avant de continuer, je vais prier pour laisser ces instants entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends gloire et merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Merci pour m'avoir choisi, Seigneur, ce soir pour parler à tes enfants qui sont là en train de les suivre. C'est toi qui me donnes cette occasion de pouvoir avancer devant tes enfants pour parler de la part du Seigneur et pour avertir ton peuple, Papa. Seigneur, garde-moi, protège-moi pendant ces moments où je vais parler de ta part. Parce que toi, tu m'as envoyé, c'est pourquoi je suis là. Seigneur, protège-moi et épargne-moi de tout danger qui pourra arriver après ou avant cette vie, après ou le jour qui vient en faisant cette vidéo. Seigneur, protège-moi. Je sais que quand toi tu choisis, tu sais comment aussi protéger. Je sais que je suis dans ta protection et toi tu me protèges et tu protèges ma famille. C'est pourquoi je laisse cette place au Saint-Esprit de pouvoir prendre la place ici et de pouvoir diriger ces instants. Le Saint-Esprit, toi tu as dit et que mon peuple sera enseigné de moi-même. Seigneur, je te laisse parler à ton peuple parce que moi je ne peux rien dire à ton peuple. Donc la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, laisse que toi tu parles à travers de moi, ta servante que tu as choisie. Et je fais tout, je fais taire tous les esprits qui ne confessent pas ton nom et que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, couvre-moi par ton sang, garde-moi et protège-moi, protège ma famille. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen et la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et je vous salue encore au nom de Jésus. Salut à toutes les personnes qui me suivent. Et si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SS Les Adorateurs du Seigneur TV. SS Les Adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous pour ne
pour que vous ne puissiez pas rater tout ce que nous postons sur cette chaîne YouTube. Le Seigneur va vous bénir parce que ici nous parlons seulement des ainsi de l'Éternel et le Seigneur va vous bénir. Bien-aimés, je vous avais dit dans les vidéos passées et je vous avais parlé sur le dépouillement de l'intérieur et de l'extérieur. Et le Seigneur m'avait dit, comme je vous avais dit ces jours-là, que le dépouillement c'est un processus. On le fait, c'est petit à petit, lorsque le Saint-Esprit te révèle des choses, tu comprends que ce que je faisais avant n'était pas bon. Et maintenant, voilà une marche à suivre. Donc, je vous avais dit pas à pas, lorsque le Saint-Esprit va commencer à me parler de certaines choses, je vais avancer devant vous pour vous parler et pour vous expliquer. Avant tout, avant de pouvoir parler sur les documents, je vais vous parler d'abord sur les sept principes que le Seigneur m'a parlé, comment se tenir dans sa présence. Lorsque nous venons prier, le Seigneur m'a parlé à moi, et il m'a dit, va aussi faire la vidéo et parle aussi pour les autres personnes, pour qu'ils comprennent comment ils doivent s'approcher dans ma présence lorsqu'ils viennent prier, et surtout le prière personnel. Ici, je vais parler sur le prière personnel. Lorsque tu fais ta prière personnelle, ou bien lorsque nous, on se ressent, on s'ensemble, un groupe de personnes s'ensemble pour prier Dieu, comme la Bible dit, des ou trois sont réunis à son nom. Donc, lorsqu'on se réunit pour les affaires de Dieu ou pour prier au Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Je ne parle pas lorsqu'on est à l'église, mais le Seigneur m'a parlé lorsque je suis dans sa présence individuellement. Donc, lorsque nous prions dans nos prières individuelles. Et voilà les sept principes que le Seigneur m'a donné lorsque nous avançons à sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'ai toujours dit, ce sont des choses de l'esprit. Et ce sont des personnes qui ont le Saint-Esprit qui peuvent comprendre ces choses. Et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux, demandez premièrement que le Saint-Esprit vienne habiter en vous. Et c'est par là que vous allez comprendre ces choses. Parce que l'intelligence de ce monde, c'est la folie. Ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence de ce monde, la Bible dit, c'est vanité. Ce n'est pas l'intelligence. Si quelqu'un se dit qu'il est intelligent, donc il se dit intelligent par rapport à la science. Mais aux choses spirituelles, il y a des gens qui ne les comprennent pas, quelles que soient les études faites. Mais pour comprendre les choses spirituelles, il faudra que le Saint-Esprit habite en toi. Il faudra que le Saint-Esprit te révèle pour mieux comprendre les choses qui sont spirituelles. Donc les choses spirituelles, ce sont des gens qui sont dans le spirituel qui les comprennent et au moins des choses spirituelles. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a parlé. Il m'a donné les sept principes pour prier quand on est dans, on s'approche dans sa présence. Ce sont des choses que nous négligeons parfois, mais c'est trop capital parce que le Seigneur a insisté. Donc c'est trop capital. Mais des fois, nous le négligeons. Mais nous allons comprendre que lorsque nous allons le faire, toutes les fois que nous allons commencer à faire cela, nous allons voir des résultats par rapport à nos prières que nous faisons. Parfois, les enfants de Dieu négligent les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont beaucoup négligées aux enfants de Dieu. Donc, si nous faisons les choses de Dieu avec négligence, c'est alors que nous allons dire que le Seigneur ne travaille pas, le Seigneur ne fait pas grand-chose. Mais lorsque nous prenons les choses de Dieu au sérieux, les choses du Seigneur, nous les prenons au sérieux, c'est alors que nous allons aussi comprendre que le Seigneur va nous prendre aussi au sérieux et il va considérer notre prière. Amen. Et dans le premier principe, le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit, lorsque nous prions, que nous ne crions pas. De ne pas crier lorsque tu pries personnellement. Lorsque tu fais tes prières personnelles. Lorsque tu te réveilles ou pendant la midi ou les après-midi, le matin, très tôt le matin. Lorsque tu pries, il ne faut pas crier. Il ne faut pas ôter la voix.
lorsque tu fais tes prières personnelles. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'avait dit ça, mais le Seigneur m'a dit, lorsque je prie, il ne faut pas que je crie. Crier, c'est différent de prier avec autorité. C'est différent. Et là, nous avons compris aussi, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même aussi, il ne criait pas lorsque lui priait. Le Seigneur parlait avec autorité. Et la chose qu'il parlait, les prières qu'il faisait, et c'était avec puissance et ça donnait des résultats positifs. Parce que lui, il parlait avec force, avec puissance et avec beaucoup d'autorité. Le Seigneur m'a dit, lorsque tu pries, il ne faut pas crier lorsque tu es dans ta prière personnelle. Et c'est l'intimité entre Dieu et toi qui est dans sa présence. Donc, ces moments de l'intimité, tu dois parler à ton Dieu. Lorsque tu parles à ton Dieu, il faut prier avec une voix un peu bas. Pas de cri, pas crier. Et là, nous allons lire ça dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, au verset 6. Nous allons comprendre ça. Nous n'allons pas lire le verset. Lisez Matthieu 6, et lisez aussi le livre de Marc, au chapitre 1er, au verset 27. Marc 1er, 25. Et vous allez comprendre. Le Seigneur, il m'a dit, je vais prier, lorsqu'on prie dans nos prières personnelles, il ne faut pas que nous crions, il ne faut pas que nous ôtons nos voix. La deuxième des choses, le deuxième principe, le Seigneur m'a dit, lorsqu'on s'approche dans sa présence, lorsque tu vas prier l'Éternel, tu te décides, tu te lèves pour prier ton Dieu, tu dois t'habiller correctement. Habille-toi correctement. Parce que les gens, nous les enfants de Dieu, lorsque nous prions, nous venons à la présence de Dieu. Lorsque on se réveille peut-être le matin, on vient prier Dieu. Tu avais ta robe de nuit. Directement, tu viens prier avec ta robe de nuit. Non, bien-aimé, le Seigneur m'a dit, il faut qu'on s'habille correctement lorsque nous venons dans sa présence. Tu dois te changer, tu dois t'habiller correctement. Parce que la Bible aussi déclare que nous devons prier sans cesse. La prière, on peut prier le matin, la midi, le soir, on ne sait pas. Tu peux prier dans ton lieu de travail, tu peux prier dans la cuisine, tu peux prier partout. Mais lorsque toi, tu t'es déçu de prier, tu es à la maison, tu veux avancer à la présence de ton Dieu, tu te prépares pour la prière, donc habille-toi correctement. Si tu es au service, c'est autre chose. Lorsque tu es en train de préparer à la cuisine, c'est autre chose. Lorsque tu es au lieu de travail, c'est autre chose. Là, tu peux prier directement tel que tu es. Mais lorsque tu es dans un lieu calme et que tu es dans ta maison et tu veux prier le Seigneur, habille-toi correctement. Une robe décente, une robe longue. Mets-toi une robe longue. Habille-toi d'une robe longue. Une robe pas de dessin. Le Seigneur m'a dit une robe sans dessin. Habille-toi correctement. Et je parle surtout pour ces gens-là qui ont le Saint-Esprit, qui peuvent comprendre ces paroles qui viennent de l'Éternel. Habille-toi correctement et une robe longue et décente. Et puis, il faut attacher le foulard. Il faut bien attacher ton foulard comme je l'ai fait. Attache ton foulard à la tête. Le Seigneur m'a dit, lorsque tu es dans ta présence, dans sa présence, il faut attacher le foulard à la tête. Il ne faut pas prier la tête sans foulard. Donc, il faut toujours attacher le foulard. Et il m'a aussi dit que ce foulard doit avoir une couleur unique. Ça doit avoir une couleur unique. Donc, ça ne doit pas avoir des dessins, ça doit avoir une couleur unique. C'est ce que le Seigneur m'a dit et c'est ce que je vous rapporte. Le Seigneur m'a dit, un troisième principe, le Seigneur m'a dit, lorsque nous prions, nous devons fléchir nos genoux. Nous devons nous agenouiller à sa présence. Là, le Seigneur m'a dit, lorsque nous sommes dans sa présence, les prières que nous faisons à genoux, ça a une très grande, vraiment, efficacité. Pourquoi? La position à genoux, c'est une position de l'humilité devant le
trône de Dieu. Donc, tu te dis que je me suis humilié, que le Seigneur s'élève et que moi, je me diminue. Donc, lorsqu'on est devant un roi, même si le plan physiquement, lorsque tu parles à un roi, tu dois pencher ta tête, tu dois couper ta tête. Cela, c'est un signe de respect. Mais devant le roi des rois, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé. Lorsque nous venons dans sa présence, le Seigneur a dit, nous devons avoir une seule position, s'accroupir. Tu peux avoir des positions debout, mais le Seigneur aussi m'a parlé. Vraiment, il a dit la position d'un genou. Donc, nous, on doit s'agenouiller et baisser notre tête. Donc, c'est la position que le Seigneur veut que lorsque nous sommes dans sa présence, nous puissions faire cette position. Et là, nous allons aussi lire dans le livre de Daniel, chapitre 6, au verset 10, avoir la position à genoux. Et le Seigneur aime cette position-là. Si tu te rabaisses et le Seigneur s'élève. Même tu peux faire aussi des prières d'autorité, même dans cette position d'à genoux. Tu peux aussi faire la prière d'autorité. Lorsque toi, tu t'humilies devant Dieu, le Seigneur t'élève directement. Tu es puissant sur le plan spirituel. Ne crois pas lorsque tu chasses les démons en apostille, tu es à genoux. Ne dis pas que tu t'es à genoux devant les démons. Mais tu t'es à genoux devant celui qui t'a créé, le roi des rois. Tu donnes gloire à Dieu et tu donnes l'honneur à Dieu. Lorsque toi, tu t'humilies, le Seigneur va t'élever. Il va rendre ta prière plus puissante. Et c'est par là que nous allons considérer la prière. Le Seigneur va vraiment beaucoup considérer la prière là, parce que c'est une position d'humilité et c'est une position de se diminuer devant la présence du roi de rois. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc nous allons le lire dans le livre de Daniel, chapitre 6, au verset 10. Le Seigneur m'a dit aussi, lorsque nous sommes dans sa présence, nous devons avoir les yeux fermés. Le Seigneur, vraiment, il m'a reproché parce que moi, je ferme les yeux, je ne laisse pas mes yeux ouverts, je ferme les yeux, mais des fois, lorsque je prie, j'ai un enfant, j'ai des enfants, et puis je peux aussi ouvrir les yeux, regarder à gauche comment sont les enfants. Donc, le Seigneur m'a interdit, le Seigneur m'a dit, lorsque je suis dans sa présence, je dois avoir d'abord les yeux fermés. Je dois avoir mes yeux fermés. Si je parle des yeux d'abord, je dois fermer mes yeux. Parce qu'en fermant les yeux, tu peux prier et le Seigneur peut te faire voir aussi des choses. Tu pries en même temps, le Seigneur te fait visite, il te visite. Tu vois des visions. Alors tu peux voir des visions même quand tu as les yeux fermés. Même quand tu as les yeux fermés, le Seigneur peut te faire visionner des choses. Il peut te montrer des choses. Les yeux fermés, ça évite la distraction. C'est éviter la distraction. Lorsque tu fermes les yeux dans la présence de Dieu, tu es vraiment concentré. Tu vois, tu fermes les yeux, tu regardes seulement le Seigneur Jésus-Christ là où il est, en esprit, tu rentres en esprit. Le Seigneur, il va te révéler des choses. Quand même tu pries, quand même tu parles, les yeux vont s'ouvrir. Spirituellement, tu vas avoir les yeux ouverts et le Seigneur va commencer à te faire voir des choses. Et il y a beaucoup de versets, je vais vous donner cela plus tard. Et la Bible, le Seigneur m'a encore dit, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5e principe, le Seigneur m'a dit, lorsque nous prions, nous devons aussi fermer nos oreilles. Nous devons bloquer les oreilles sur le plan physique. Comment? Tu peux être dans la présence de Dieu, mais il y a un bruit quelque part. Tes oreilles écoutent ce bruit-là. Tu peux facilement ouvrir les yeux parce que tes oreilles sont là où tu es. Donc, il ne faut pas que nos oreilles physiques soient ouvertes. Nous devons fermer nos oreilles physiques et que les oreilles spirituelles puissent s'ouvrir. Non, nous ne devons pas écouter les sons qui sont là sur place. Donc, tu dois être concentré d'abord en fermant les yeux et aussi en fermant tes oreilles pour ne pas écouter le bruit de gauche à droite.
parce que tu peux prier, tu peux être dans le... Parce que moi, des fois, lorsque je suis dans la cuisine en train de préparer, quelqu'un peut parler à côté, mais moi, je ne l'écoute pas. Je prie. Je prie, je suis en train de prier. Quelqu'un parle, bon, je ne prête pas attention à ce qu'il dit, mais j'en suis en train de prier spirituellement. Je suis connecté en esprit. Même mes oreilles, je ne fais même pas écouter mes oreilles au bruit qui sont là, sur place. Donc le Seigneur nous parle aussi de nos oreilles, que nos oreilles n'écoutent pas les bruits du dehors ou de l'endroit où tu es. Et sixième principe, le Seigneur m'a dit, lorsque nous prions, nous ne devons pas avoir les pensées ailleurs. Les pensées ailleurs. Cela veut dire quoi? Nos pensées doivent être dans la prière. Et nous devons amener nos pensées vers le Seigneur Jésus, vers la prière dont nous faisons. Parce que lorsque tu as tes pensées ailleurs, tu ne peux pas te concentrer. C'est par là que nous devons, lorsque nous prions, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons mettre nos pensées, orienter nos pensées dans la prière dont nous faisons. Nous devons orienter nos pensées dans la prière dont nous faisons. Donc c'est très, très, très important. Lorsque nous prions, ne promenons pas nos pensées. Nous devons avoir nos pensées dans la prière et regarder là où le Seigneur il est dans la prière. Parce que nous, le Seigneur a dit, il a dit, nous devons amener nos pensées à croire ce que nous sommes en train de prier. Parce que lorsque nous prions, il y a des gens qui pensent à autre chose. Et lorsque tu penses à autre chose, tu étouffes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est limité. Tu le limites, il ne peut pas opérer. Il ne peut pas opérer. Et lorsque tu es dans la prière, oublie tout. Mets tes pensées dans la prière et regarde le Saint-Esprit. Et c'est par là, lorsque tu penses ailleurs, tu peux aussi à ne pas croire à la prière que tu fais. Tu ne peux pas croire à la prière que tu fais. Vous voyez, lorsque tu as des pensées volant comme ça, les pensées qui s'envolent, et tu n'auras pas la confiance à la prière que tu fais. Tu n'auras pas confiance à la prière. Tu n'auras pas confiance à Dieu. Parce que tu auras aussi peur. Parce que lorsque tu pries, tes pensées sont ailleurs. Tu peux aussi avoir peur. Parce qu'il y a certains moments, non, moi j'ai prié. Lorsque j'ai pas allumé la lumière, vous voyez, vous pouvez arriver dans un endroit où vous priez, il ne fait pas trop clair. Il fait un peu trop noir. Lorsque tu as tes pensées et il fait noir, tu vas avoir peur. Oh mon Dieu. Oh, bando bang, et quelqu'un viendra, il va me serrer à la tête. Vous voyez? Parce que nous n'avons pas les pensées dans la prière et nos pensées ne sont pas au Saint-Esprit. On va avoir peur, on n'aura pas la confiance à la prière dont nous faisons. C'est pourquoi nous devons avoir les pensées seulement dans nos pensées doit être fixé au Saint-Esprit et dans la prière que nous faisons. Et pour terminer, le Seigneur m'a dit lorsque nous prions aussi, et surtout lorsque nous prions aux endroits où il y a la télévision, où il y a des miroirs, il y a des fois où nous prions, nous regardons la télé, nous regardons le miroir et toutes ces choses-là, tu pries les yeux et tu regardes comme ça, et tu te regardes le miroir, tu fais comme ça. Et donc tout ça, le Seigneur ne veut pas de toi, ne veut pas de ça, qu'il n'y ait pas la distraction. Nous devons éviter la distraction. Le Seigneur nous a dit, nous devons avoir la foi lorsque nous prions. Nous devons croire qu'il est avec nous. Lorsque tu pries, tu dois croire que Jésus-Christ est ici avec moi, que je ne peux pas avoir peur. Quelqu'un pourra arriver. Donc, tu dois croire la prière que tu fais, que Jésus-Christ écoute ma prière et que lorsque je prie, il n'y a pas la présence des démons ici, il n'y a pas la présence du diable ici, mais il y a la présence du Saint-Esprit dans ces lieux.
tu dois croire à ça. Lorsque tu vas croire à cela, tu verras que tu n'auras pas peur et tu sauras, tu auras la confiance à Dieu. Tu vas donner toute ta confiance à Dieu et tu vas fermer tes yeux jusqu'à la fin. Tu vas fermer tes yeux jusqu'à la fin de ta prière. Et là, tu auras vraiment confiance en Dieu. Et tu diras que Dieu seul, c'est lui le véritable. Et tu vas croire et tu vas comprendre comment le Seigneur va commencer à opérer. Il va commencer à te répondre lorsque tu es dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les 7 principes que le Seigneur, il m'avait parlé. C'était les jours, c'était les 6 juillet, je crois. C'était les 6 juillet, les 6 juillet 2022. Le Seigneur m'a parlé de cela. Et ça m'a vraiment aidé aussi. Et moi-même, désormais, lorsque je prie maintenant, là, je suis vraiment concentrée. Et le Seigneur me parle beaucoup, 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 beaucoup lorsque je suis dans sa présence. Et si vous allez faire ça, vous allez voir que vous allez aussi grandir spirituellement. Vous allez aussi grandir spirituellement. Et bien aimé dans le Seigneur, pour arriver à notre deuxième partie, et nous allons parler sur les dépouillements extérieurs. Je vous avais déjà parlé beaucoup sur les dépouillements. Si vous suivez nos vidéos et vous regardez nos vidéos passées, vous allez comprendre. Il y a des vidéos sur les dépouillements, de l'intérieur, et j'ai parlé des dépouillements de l'extérieur. Et le Seigneur, pendant tout ce temps-là, le Seigneur me faisait voir des choses aussi. Il m'interdisait des choses. Et il y a certaines choses que le Seigneur m'a parlé. Et si il m'a dit que je viens vous le parler encore. Comme je vous avais dit, nous sommes les envoyés de Dieu. Moi, plus le Seigneur m'a appelé, il m'a appelé à la prophétie, il m'a appelé à l'évangile. Des choses que le Seigneur m'a appelé. Lorsque le Seigneur m'avait appelé, il m'a dit, je vais faire de ta bouche ma bouche. Cela veut dire, tu vas informer, tu vas commencer à parler aux gens ce que moi je te dirai. Aux jours à venir, vous allez voir que le Seigneur va me parler d'une autre manière. Et je vais venir encore devant vous et je vous parlerai cela. Le Seigneur m'a dit qu'il va commencer à me parler d'une autre manière. La manière dont il parlait avec les Moïse, il parlait avec les Élie, il parlait avec les Abraham, tous ces membres-là, le Seigneur, il va commencer à parler avec les gens comme ça, de bouche à l'oreille. Et tu attends la voix de Dieu. Et donc, nous devons avoir cette ferme croyance que le Seigneur fera de telles choses à ses enfants. Parce que lui-même a dit, dans les derniers jours, Didier, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais il y a des gens qui ne croient pas à la prophétie. Et c'est par là que nous allons comprendre le ministère que le Seigneur m'a donné. C'est le ministère de la prophétie. Il y a des gens qui ne croient pas aux prophéties. Les gens disent que oh, c'est trop avec des prophéties. Oui, bien aimé, c'est trop avec des prophéties. Disait seulement comme ça, c'est trop avec les prophéties. Oh, moi, je ne crois plus aux prophéties. Aux prophéties. Ok, ne crois pas aux prophéties. Parce que tout le monde ne sont pas faux. Comme j'ai toujours dit que tout le monde ne sont pas faux. Ils ne sont pas, tout le monde ne sont pas des diables. Et ne croyez pas qu'il n'y a pas de vrais prophètes. Je vous assure qu'il y a des vrais prophètes. Et le Seigneur nous utilise étant que des prophètes. Et moi, je crois à celui qui me parle. Je crois à Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois à l'œuvre que le Seigneur a fait pour moi à la croix. Et je crois à la manifestation, à la manipuissance du Saint-Esprit, à ses manifestations. Lorsque le Saint-Esprit te touche, tu es capable de faire beaucoup de choses. Lorsque tu es animé du Saint-Esprit, tu es capable de faire des choses que les gens... C'est comme la folie aux yeux des gens. Ça sera comme la folie. Les gens ne sauront pas croire. Est-ce que tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu? Mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Parce que nous ne devons pas limiter le Saint-Esprit. Les gens disent, est-ce que le Seigneur t'a vraiment parlé? Est-ce que le Saint-Esprit t'a vraiment parlé? Oh, comment nous pouvons limiter le Saint-Esprit? Qui donne les prophéties? C'est le Saint-Esprit. Qui a mis là ce ministère de la prophétie? C'est le Dieu. C'est Dieu qui a établi ce ministère de la prophétie. Comment nous ne devons pas croire à la prophétie? Nous devons croire à la prophétie lorsque le Seigneur nous fait connaître des choses. Lorsque le Seigneur nous avertit des choses. Comment nous saurons que le Seigneur nous a averti des choses? La prophétie, c'est, on dit que la prophétie, c'est la parole de Dieu. Oui, la prophétie, c'est ça.
C'est la parole de Dieu. Et cette parole était depuis le commencement. La parole de Dieu était là. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, au commencement était la parole. Et au commencement, déjà, la parole était là. La parole était là, mais Dieu utilisait ces gens. Utilisait ces gens. Il était ces gens, sorry. Il utilisait ces gens. Il y avait des gens qui allaient parler avec Dieu. Et ils amenaient les avertissements. Ils amenaient les messages de Dieu. Et il y avait des gens qui le Seigneur a pris, il s'est communiqué avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur. Comment les gens ne croient plus aujourd'hui à la prophétie? Les gens disent que oh, la télévision est remplie de prophètes. Mais oui, bien-aimés. Examinez les prophéties. Examinez les prophéties, c'est simple. Parce que vous ne voulez pas examiner des prophéties. C'est pourquoi vous n'aimez plus des prophéties. Vous n'êtes plus attiré aux prophètes. Il y en a des vrais. Il y a des vrais prophètes de Dieu envoyés à Dieu. Et les gens aujourd'hui, ils abusent des prophètes. Ils abusent des prophéties. Ils disent que les prophéties sont détruites dans notre pays, dans notre époque. Oui, je ne vous donne pas tort, je vous donne raison. Mais attention à ne pas croire à toutes les prophéties que le Seigneur donne à ses enfants. La Bible nous dit d'examiner les prophéties. Il y a des vrais, des véritables prophètes, des enfants de Dieu choisis et ils reçoivent des messages de Dieu et ils vous amènent cela. Donc nous devons aussi prier Dieu. Parce que le Saint-Esprit est capable de te dire que celui-là est de Dieu. Moi, le Seigneur me parle de ces personnes. Le Seigneur me parle des choses comme ça. Bien-aimé, il faut examiner des prophéties. Le Seigneur me parle et moi, je vous dis personnellement, le Seigneur me parle. Le Seigneur m'interdit des choses. Le Saint-Esprit, lorsque tu es attaché au Seigneur, tu es attaché au Saint-Esprit. Bien-aimé, la vie est simple. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu, la vie est simple. Dieu, c'est un homme, c'est sans Dieu. Dieu sans Dieu, c'est un Dieu, il est surnaturel. Dieu sans Dieu, c'est un esprit. Oh, alléluia. Bien-aimé, vous devez comprendre que Dieu, c'est un esprit. Dieu, il parle, mais un esprit. Et tu dois être une personne, une personne conduite par l'esprit de Dieu. Pour écouter la voix de Dieu. Et si tu ne t'étonnes pas à l'esprit de Dieu, tu ne vas pas écouter la voix de Dieu. Si toi, tu n'es pas attaché à la prière, tu n'as pas l'intimité avec le Saint-Esprit, comment voudras-tu que le Saint-Esprit te puisse parler? Et le Saint-Esprit ne va pas te parler. Tu vas commencer à critiquer les prophètes. Tu vas croire que tout le monde est faux. Tout le monde est faux. Non! Tout le monde n'est pas faux. Mais c'est parce que toi, parce que toi, tu ne t'étonnes pas à Dieu. Mais au moment dont je vous parle, le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. Mais au moment dont je vous parle, c'est la fin du temps. Nous sommes à la fin du monde. Le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. Il parle avec les enfants. Le Saint-Esprit utilise les enfants. Le Saint-Esprit utilise les aveugles, il utilise même les handicapés. Le Saint-Esprit utilise toutes les personnes, même les fous. Le Saint-Esprit utilise, il est disponible maintenant. Si toi tu es attaché à Dieu, tu seras ami du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te parler. Et même des choses que les gens disent qui sont des choses inutiles, le Saint-Esprit va t'avertir des choses même qui sont inutiles. Oh, parce que mon raison est inutile. Saint-Esprit, bon, le belayo. Il va te montrer même la nourriture qu'il faut manger, la boisson qu'il faut prendre. Le Saint-Esprit va te montrer comment t'habiller. Et les gens s'étonnent comment ces gens-là ils s'habillent. Le Saint-Esprit nous apprend à s'habiller. Le Saint-Esprit va te montrer comment parler devant les gens, comment se tenir devant les gens. Le Saint-Esprit, il est disponible. Il parle et il y a le Saint-Esprit en action, bien-aimé dans le Seigneur. Il parle. Ne vous étonnez pas lorsqu'il y a des prophètes par-ci, par-là. Examinez seulement les prophéties. Parce que le diable aussi vient embrouiller là où le Seigneur agit. Il vient embrouiller. Lorsque toi, tu n'es pas calé dans la parole de Dieu, le diable va t'embrouiller. Tu pourras croire que le Seigneur continue à parler avec toi, bébé. Mais peut-être que c'est le diable qui te parle. Parce que toi, tu n'es pas calé à la parole. Parce que la parole ici d'abord, c'est ça notre appui. C'est ça notre appui. Lorsque le Seigneur te donne un message,
Tu dois te recourir vite à la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la Bible? Et ce sont des paroles de Dieu. Ce sont des paroles de Dieu. Apprenons le temps de lire la Bible. Apprenons la Bible. Apprenons la Bible. Ayons en nous la cuirasse de la justice. Ayons en nous le casque du salut. Toutes ces choses-là. Nous allons comprendre que ces derniers jours, ce sont les moments du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit opère. Croyez-moi. Il y a des gens qui aiment seulement voir des autres choses dans la télé. Mais lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, ils sont déconcentrés, ils disent que c'est faux. Bien-aimés, les gens mon colloque, vanda. Il y aura un jour, il n'y aura personne. Il n'y aura personne devant toi. Il n'y aura que toi-même en train de lutter contre l'amour. Et ce jour-là, lorsque tu n'auras plus la vie que nous avons aujourd'hui, tu auras devant, tu auras la face de ton destin toi-même. Pourquoi? Parce qu'au niveau Oyo, ça là qui m'ont kill. Tu sauras maintenant comment était ta vie. Il n'y aura plus ta mère, il n'y aura plus ton père, il n'y aura plus personne à te pousser à prier, à chanter pour ton Dieu. Mais c'est par là que tu comprendras qu'il y avait des véritablement, il y avait des prophètes vrais de Dieu. Et tu vas te souvenir de toutes ces choses-là qu'aujourd'hui tu es en train de détester. Devant les diables, devant les démons. Devant Bato Bako. Bako torturer. Il y aura des gens qui vont te torturer. Après la mort, il y a une vie bien-aimée dans le Seigneur. Et cette vie-là, il y a l'impossibilité de pouvoir l'échapper. Incapable de l'échapper. C'est une vie obligée que tu dois vivre après ta mort. C'est ce que tu as fait sur terre. C'est ce qui va te suivre. Tu vas te souvenir des gens qui parlaient, que tu zappais à la télévision, que tu zappais, que tu disais qu'ils étaient des faux. Et le diable va te rappeler ces gens-là. Ils te diront, il y avait des sœurs, il y avait des prophètes là. Ils vont te citer même les noms de certains prophètes. Il va te citer même les noms. Tu les as méprisés et voilà où tu es. Bien-aimés, ne blaguons pas avec la parole de Dieu et ne blaguons surtout pas aux choses du Saint-Esprit, aux choses que le Seigneur est en train de faire. Lorsque nous sommes dépouillés, ne nous regardez pas comme nous sommes des fous, des folles. Non. Nous ne sommes pas des folles à se dépouiller comme ça. C'est Dieu qui nous a dépouillés. À l'aide du Saint-Esprit, nous sommes dépouillés. Et je rends gloire à Dieu qui m'a dépouillé. Gloire au Saint-Esprit qui m'a poussé à se dépouiller. Parce que ce n'est pas de ma force. Si ça ne dépendait que de moi, je ne pourrais pas arriver. Je ne pourrais pas le faire parce que c'était impossible pour moi. Mais c'est possible à l'aide du Saint-Esprit. Et je rends gloire à Dieu de m'avoir dépouillé. Bien-aimé, je t'exhorte, toi qui me suis aujourd'hui. Vous allez dire, ce sont des fausses évangiles. Les gens sont en train de nous tromper. Le dépouillement, c'est vraiment biblique. Et c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé. La vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile, bien-aimé, dans le Seigneur. La vie chrétienne n'est pas facile. Ne croyez pas comme les autres disent que lorsque le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Bien-aimé, il s'agit de la liberté. La liberté dont nous parlons, ce n'est pas la liberté. La liberté de tout faire, non. Ce n'est pas la liberté de tout faire. Ce n'est pas cette liberté-là que je suis en train de vous dire. Je vais faire cette vidéo, ça sera deux. La deuxième partie, vous allez suivre. Lorsque vous suivez la première partie, cherchez à suivre la deuxième partie. Et je crois que je vais arrêter ici pour la première partie. Nous allons avancer pour la deuxième partie. Puis le Seigneur vous bénit. Nous avançons à la deuxième partie.